Excusez-moi, Opar, hein, c'est votre nom d'artiste. Ouais. Vous avez parcouru un peu la planète, je crois, avec vos œuvres. J'ai pas mal voyagé grâce à la peinture depuis quelques années. Alors ma question, en fait, c'est qu'est-ce qui vous a attiré dans ce festival à Saint-Brieuc Plus pour, comment on a pu vous faire venir? En fait, à l'origine, les organisateurs du festival, Brinks et Papy, c'est des gens de mon collectif. D'accord. Et en fait, moi, je fais partie de leur collectif depuis plus de 10 ans. Et du coup, quand ils m'ont appelé sur le projet il y a déjà 2 ans, je ne pouvais pas me venir parce que j'étais à l'étranger. L'année dernière, je ne pouvais toujours pas venir. Et du coup, ça fait 3 ans qu'ils essaient de me faire venir. Et ils m'avaient assez bien vendu la ville et le projet. Et du coup, là, cette année, j'avais du temps. Donc, du coup, j'ai pu venir. Et ça vous plaît, l'ambiance, je veux dire, du festival? Ouais, là, je ne pensais pas que c'était aussi chaleureux et qu'il y avait autant d'engouement autour du festival. Et là, quand je vois le nombre de murs, c'est ce qu'on disait justement à l'instant, pour une aussi petite ville, entre guillemets, qui ait autant de murs et que le festival soit aussi grand que ça et avec autant d'envergure, c'est assez impressionnant. Mais c'est cette année surtout que ça a pris beaucoup d'envergure, ouais, à mon sens. Hein, à mon sens. Hein. L'année dernière, je crois qu'apparemment, c'est ce qui a fait aussi mettre le pied à l'étrier. Et là, cette année, c'est... Mais la première année, voilà, c'était juste le tremplin. Ouais. J'ai vu dans un article que vous avez participé au Super Bowl à Atlanta. Ouais, exactement. Ça devait être incroyable. Ça, c'était l'appel d'offre de l'année dernière. Donc, d'accord. J'ai participé l'année dernière. Et sur ce même article, il disait que vous étiez de passage rapide à Paris. On a réussi à vous avoir à Saint-Brieuc, c'est quand même super, quoi. Ouais. Ça, c'est... Ouais. Je sais pas quoi dire de plus. Sinon, alors, votre œuvre va être finie cet après-midi. Et normalement, elle est appelée à rester, c'est selon les bâtiments de France, vous m'avez dit. Ouais, exactement. Là, d'accord. On aura, je pense que cet après-midi, quand Brinks va venir voir le mur, c'est là qu'il va me dire si c'est respecté ou pas. Validé ou pas. Après, ils vont avoir une visite dans la ville avec les bâtiments de France, où ils vont aller voir façade par façade. Du coup, après, il y aura la validité. Moi, je vote pour celle-là. Hein. C'est cool. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.